La police française arrête Fleur de Lille parce qu'elle a sauté le métro, parce qu'elle a volé le métro, parce qu'elle ne voulait pas payer le ticket du métro. C'était grave. En bref, je laisse Fleur de Lille vous expliquer le pourquoi elle se fait arrêter par la police française. Elle ne voulait pas acheter le ticket du métro, et c'est ce que moi je sais. Hein. La police m'a arrêté. Quoi? La police m'a arrêté. Quoi? La police m'a arrêté. Ah bon? Et pourquoi? Avant-hier, j'étais à Paris. Et puis, j'étais pressée. Je voulais aller me prendre un ticket. Quoi? J'étais pressée. Quelqu'un a posé son truc que j'ai collé derrière pour passer. La police m'a arrêté. Voilà! Ils sont en civique partout. Et là, j'ai payé sur place 50 euros. Ça, c'est clair. Au lieu de payer 5 euros avant mon ticket, j'étais pressée. Je vais à la gare du Nord. J'avais pas envie de rater mon train. Et je me suis collée derrière quelqu'un qui avait la carte Navigo. Dès que la fille a posé sa carte Navigo, j'ai collé sur passé. Mais la police est sortie. Mais laisse tomber. Mais j'ai eu peur. J'ai dit, mais pourquoi? Oh, maman. Les brassins. Et ce n'est pas donne comme ta pièce d'entrée pour la contravention. Tu payes tout de suite ou on t'embarque au poste de police. Ça, c'est clair. Vous voyez que moi, j'ai payé 50 euros. Pour le 5 euros, ça fait mal, les temps sont durs. Ça, c'est clair. Donc, je ne vais pas dire c'est quelqu'un d'autre que j'ai vu. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas dire, ouais, ben, j'ai vu quelqu'un qui a volé le transport. Non, pas ça, ça, c'est le vol. Ça, c'est clair. Donc, achetez vos tickets. Ça, c'est clair. À Paris, en ce moment, faites très attention. Ceux qui n'aiment pas acheter des tickets de transport, ceux qui veulent voyager sans payer, il faut faire très attention parce qu'il y a la police partout. Ça ne rigole pas, la gare du Nord, dans toutes les gares. Il y a la police, ça ne sert à rien. De se faire rapatrier pour un ticket de 5 euros. Ça, c'est clair. Ceux qui n'ont pas de papier, ça ne sert à rien vraiment de prendre des risques à aller voler les transports. Ah bon? Et pourquoi? Parce que là, il y a le contrôle à Paris, dans les gares. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez voler le transport, vous allez vous retrouver en Afrique. Hein. Ça, c'est clair. Ah oui, oui. Pardon, je vous en prie. Achetez vos tickets de transport. Le vendeur ne cherche pas les problèmes. Ça, c'est clair. Quand on n'a pas les papiers, même quand on a les papiers, on ne vole pas les transports. Ça, c'est clair. Vous savez, je le dis, je prends les armes sur moi. Pourquoi? Je m'interroge. Parce que c'était hier que j'étais à Paris. Non, avant-hier, j'étais à Paris. Et puis j'étais pressée. Je voulais aller me prendre un ticket. J'étais pressée. Quelqu'un a posé son truc que j'ai collé derrière pour passer. La police m'a arrêté. Ils sont en civil partout. Et là, j'ai payé sur place 50 euros. Ça, c'est clair. Au lieu de payer 5 euros avant mon ticket, j'étais pressée. Je vais à la gare du Nord. J'avais pas envie de rater mon train. Et je me suis collé derrière quelqu'un qui avait la carte Navigo. Dès que la fille a posé sa carte Navigo, j'ai collé sur passé. Mais la police est sortie. Mais laisse tomber. Mais j'ai eu peur. J'ai dit, mais pourquoi? Les brassins. Et ce n'est pas donne comme ta pièce d'entrée pour la contravention. Tu payes tout de suite ou on t'embarque au poste de police. Ça, c'est clair. Vous voyez que moi, j'ai payé 50 euros. Oh, le 5 euros. Ça fait mal, les temps sont durs. Donc, je ne vais pas dire c'est quelqu'un d'autre que j'ai vu. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas dire, ouais, ben, j'ai vu quelqu'un qui a volé le transport. Non. Parce que ça, c'est le vol. Mais, oui. Donc, achetez vos tickets. N'allez pas là où il y a des histoires. Pardon. S'il vous plaît. Ça ne rigole pas. Faites attention, même les petites histoires à dormir debout. Même tous les bandits de la gare du Nord. Tous les voyous de la gare du Nord. Ils ne sont pas à Paris. Hein. On leur a dit que tous les voyous de la gare du Nord qui font le debout là. Oh, ils ne sont plus là. On leur a chassé qu'un. Les debout de la gare du Nord. Il n'y a plus le debout de la gare du Nord. Tous les voyous de la gare du Nord ont fui. Tous les voyous de la gare du Nord, que vous connaissez. Tous les voyous de la gare du Nord, que vous connaissez. Maman, le ticket est devenu cher. Hein? Maman, la France. Les 2 millions d'euros qu'ils ont donné là-bas. On va payer ça. Je dis que les transports sont chers. Le ticket pour faire de Charles de Gaulle à la gare du Nord, c'est 11 euros. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, vous qui aimez le Congossa. Parce que parmi vous, il y a les papas Congossa, les mamas Congossa, les sorciers, les hiou, les Camerounais, les Africains, vous aimez le Congossa. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon directo. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît.